And here we have our hero, Mr. Ray Santilli, the guy that started it all. And what I'm going to let you look at now is the French talk show that Mr. Santilli was on, as well as Bob Schell and people from Fox and many others. And read along with the transcript and try to decipher what you can out of this information. I hope this helps you out in your investigative studies and endeavors. Bonsoir à tous, heureux de vous retrouver en direct sur TF1 et je voudrais ajouter, heureux de vous retrouver enfin pour évoquer la plus incroyable histoire qui m'ait été donnée de rencontrer dans le domaine de l'étrange. Et c'est précisément parce que cette histoire est incroyable qu'avec toute mon équipe, nous travaillons depuis plusieurs mois à en percer le secret. Mais avant de commencer, je voudrais ajouter une petite chose, simplement prévenir ceux et celles qui regardent ce soir que certaines des images que vous allez découvrir sont des images impressionnantes, sont parfois difficiles donc à regarder. Je tiens à prévenir les personnes sensibles qu'elles pourraient être choquées par certaines des séquences que nous allons diffuser ce soir. Mais je voudrais aussi ajouter tout de suite qu'il n'y aura pas d'image gratuite et que nous ne diffuserons ce soir que les moments qui serviront aux experts, aux spécialistes que nous avons réunis sur ce plateau à exprimer leur opinion, à nous éclairer pour nous permettre de nous forger notre opinion. Vous connaissez, je vais vous le redire en quelques mots, l'histoire qui est au début de toute cette aventure. J'ai été mis au courant à la fin de l'hiver dernier, du côté du mois de février, de l'existence d'un film. C'était une rumeur. Ce film, on pouvait, paraît-il, le trouver à Londres. Et d'après la rumeur, un producteur de films anglais aurait acheté ces images à un caméraman, un ancien caméraman de l'armée américaine, qui les aurait lui-même tournées en 1947 sur une base secrète des États-Unis. Ce film étant présenté donc comme montrant l'autopsie d'une créature extraterrestre. Alors nous allons tout à l'heure nous poser toutes les questions que suscite un tel sujet, mais je voudrais tout d'abord, en commençant cette émission, que vous vous retrouviez comme moi, que vous ayez la même impression que celle que j'ai eue au mois de mai dernier à Londres lorsque j'ai découvert ces images. Regardez. Ces images posent bien sûr une infinité de questions. Oui ou non, cette créature est-elle un extraterrestre? Ou alors s'agit-il d'un humain
mal formé. Ce film a-t-il été tourné en 1947 ? Sommes-nous devant une supercherie organisée par une bande d'escrocs pour gagner un maximum d'argent ? Ou alors, est-il possible que des services secrets, par exemple les services secrets américains, aient décidé, à une période que nous ne connaissons pas, d'intoxiquer les soviétiques pour leur faire croire que l'Amérique possédait désormais une avance technologique décisive ? Mais dans ce cas, a-t-on utilisé un vrai cadavre ou alors a-t-on fait fabriquer par des spécialistes un monstre de cinéma? Voilà donc toutes les questions que nous pouvons nous poser avec une supplémentaire. Faut-il ou non rapprocher cette créature du fameux incident de Roswell dont vous avez certainement entendu parler? On dit aux États-Unis depuis maintenant un peu plus d'une bonne vingtaine d'années qu'en 1947, une soucoupe volante serait tombée dans le désert du Nouveau-Mexique, non loin de la ville de Roswell, donc aux États-Unis. Alors devant autant d'incertitudes, il fallait bien sûr questionner les faits, le faire sans passion, sans a priori, et c'est le résultat donc de nos recherches que vous allez découvrir ce soir. Mais tout de suite, je voudrais une première réaction à chaud. J'ai invité Patrick Baudry. Patrick Baudry, vous êtes l'un des deux premiers extraterrestres français avec Jean-Louis Chrétien. Vous avez fréquenté la banlieue de notre planète et j'imagine qu'on vous pose souvent la question de savoir si vous croyez non pas aux extraterrestres mais à la possibilité de vie extraterrestre. À ce moment-là, je vous pose la même question mais en vous demandant ce que vous pensez des images que vous venez de voir. Eh bien, les images sont extrêmement intéressantes puisque, que l'on y croit ou non, personnellement, comme a priori, j'ai de ne pas y croire. Mais par contre, je pose aussitôt la réflexion subsidiaire, cela m'intéresserait bigrement de savoir jusqu'à quel point elles peuvent être vraies et si elles ne sont pas vraies, ce que je pense, pourquoi on a proposé, présenté, diffusé ce genre d'images. Mais au-delà de cela, ce qui m'intéresse, mais là profondément, autant comme homme, tout simplement, que comme scientifique, c'est l'existence d'une vie extraterrestre, donc d'une vie ailleurs, d'une intelligence ailleurs. Et ça, c'est une question que toute la communauté scientifique se pose de plus en plus sérieusement et qui nous intéresse tous. Alors, à côté de vous, Didier Van Kovelaert. Didier Van Kovelaert, vous êtes romancier, prix Goncourt, vous êtes aussi scénariste, homme de théâtre, et vous êtes un observateur de la société. Je sais que vous avez entendu parler de la même rumeur que moi, et nous sommes parfois croisés sur cette enquête. Pourquoi êtes-vous intéressé par ces images ? D'abord, je suis moins passionné par le surnaturel que par les réactions humaines, logiques, ou rationnel entre guillemets, aux phénomènes surnaturels. J'adore lorsque la nature reprend ses droits, lorsqu'on s'interroge, lorsqu'on est provoqué, lorsque les certitudes tombent ou se lézardent. Et de toute manière, lorsque, dans le cas présent, il y a visiblement manipulation dans un sens ou dans un autre, que ce soit ou non un trucage, que ce soit... il est arrivé par des moyens tellement étranges qu'il y a une volonté humaine. Et la volonté humaine m'intéresse plus que la volonté extraterrestre dans ce cas-là. Pourquoi nous envoie-t-on ces images? Pourquoi sont-elles reléguées dans tous ces pays? Et lorsque je suis allé par curiosité au congrès d'ufologie de Sheffield, parce qu'un congrès spécial des ovnis, c'est assez intéressant, j'avais envie de voir à quoi ça ressemblait, après avoir eu successivement un spécialiste soviétique, un ancien numéro 2 ou 3, je ne sais quel état-major qui venait pour vendre des secrets défense avec son petit catalogue d'observations paranormales, un spécialiste italien qui lui expliquait comment il avait programmé sur internet les 600 rencontres du troisième type et 12 000 apparitions sur les 5 dernières années, donc tout ce qui était un peu folklorique, on nous a balancé en avant-première mondiale ces images, donc l'intégralité du film. Et là, j'étais dans la salle avec le public, et ce qui était très intéressant, c'est qu'on pensait, au bout d'un moment, on ne pensait plus trucage ou pas trucage. On était saisi d'une espèce de compassion que je trouvais très intéressante, parce que je pense que beaucoup de gens comme moi ont été émus par E.T. alors que c'est un trucage de cinéma. Et je trouve qu'il est plus intéressant de susciter ces compassions parce qu'on assiste à l'autopsie d'un être. C'est pas du latex farci de tripes, comme l'ont dit certains avant d'avoir vu le film, à mon avis. Tous ces sentiments mêlés, bizarres, étranges, ont fait qu'en sortant de ce congrès cet été, je me suis dit, ça va être formidable, cette enquête qui va démarrer, tout ce qu'on va débusquer dans les attitudes des services spéciaux, information contre information. Et j'étais très, très étonné de voir les réactions en France, ces réactions de refus journalistiques, qui ont confiné souvent à l'hystérie, à l'attaque personnelle de TF1, de Jacques Pradel. Oui, enfin, on n'est pas là pour parler de ça ce soir. Mais on...